Salut tout le monde, c'est Pixel. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'épisode 10. Enfin, salut, tu veux manger? Non, t'as pas faim. Enfin, de Multicraft. Du coup, aujourd'hui, ça va être un petit peu l'épisode World Tour, mais pas trop en fait. Parce que. Oh, mon cheval se barre à chaque fois. Parce qu'il n'y a pas énormément de nouvelles choses à montrer, peut-être, je sais pas. Mais voilà. Oh. Mais je fly pas, j'étais sur mon cheval. C'est méchant. Non, mais oh. Je fly pas. Du coup, voilà. Hop. On va au spawn. C'est parti. Je sais pas si Abbé Pierre a changé sa maison. On va aller voir aussi. D'abord, on va au spawn parce que je vais parler un petit peu à Blood Ghost. T'es au spawn. On va aller un peu lui parler. Sur le chemin pour voir si on peut pas récupérer des colorants, hein, si on en trouve pas dans le nether, mais je sais pas. Au spawn. C'est parti. Alors après, qu'est-ce que j'ai comme colorant? Non, j'ai pareil, j'ai plus rien. Hein. J'aimerais bien que toutes les boîtes soient d'une couleur différente. Bon, à mon avis, peut-être c'est mis, c'est peut-être mis AFK. Au truc de conjonction de Vindor, c'est très possible, très probable. Du coup, puisqu'il arrive en bas, on va aller à chez Abbé Pierre tout de suite. Peut-être que lui, il a des colorants. C'est un petit peu la course aux colorants aujourd'hui, hein, j'ai envie de dire. Allez, tu peux le faire. Quoi ce qu'il y a là? C'est un chien. Alors, il y a des chiens de partout. Alors, c'est le mien. Ah oui, c'est le mien, mais qu'est-ce que tu fais là, mon pauvre? Déjà, qu'est-ce que tu fais dans le Nether? Et de deux, qu'est-ce que tu fais ici? Je ne sais pas, je ne sais plus. Alors, a priori, il a pas changé. Ouais, je sais pas. Non, ça, je l'ai pas montré. Il s'est fait des coffres et tout bien rangé. C'est beau. Côté, non, mais les pierres, il range vraiment très bien ses coffres. Ah, et là il a commencé quelque chose, je sais pas ce qu'il a voulu faire. Bon, je regarde un peu, hein. Là il a fait un truc de pêche. J'ai pas ma canne à pêche sur moi, ce serait bien qu'il la récupère. Alors tournesol, non, colorant, ce colorant jaune j'ai déjà. Là il y a le colorant bleu j'ai déjà, mais c'est peut-être pas le même bleu. Je vais la récupérer quand même. Et sinon à côté son usine à poulet. Donc quand on sera au spawn, on récupérera. Tout simplement plein de petits poulets cuits parce que il va en falloir. Alors non, c'est pas du tout le même bleu. Thème, voilà, c'est pas trop le même bleu donc c'est cool. Et il fait nuit là. On va lui demander, que des fois moi ça m'arrive aussi de pas voir le chat. Quand je me couche, enfin quand je... Ah, c'est bon, il est là. T'es au spawn. Hop, là, il a fait son petit truc. En fait, je sais même pas si la peluche a fait son... Sa petite... petit coin, mais je pense pas encore. Ouh, t'as du mal, hein, serveur. Donc le chien, suis-moi, s'il te plaît, comme ça tu vas pouvoir rentrer à la maison. Si possible. Je savais pas que les chiens pouvaient venir dans le nether. Je pensais que ça marchait pas. Ouch. J'ai mal, mais je pense qu'il voulait me suicider. Allez, on y arrive. C'est toujours un peu long dans le nether, par contre, ces chiens. Bon, c'est toujours mieux que... marcher à pied, mais c'est vrai que ça c'est loin à chaque fois. Qu'est-ce qui m'attaque? Où est-ce qu'il est? Ah, il est là. Bonjour, ça fait longtemps qu'on l'avait pas vu. Du coup, je vais lui passer genre une ou deux shulker box. Hop, hop, hop.
Je vais du coup en mettre dans le coffre de chez Gatio. Hop. Oh là là, il y a plein de... Ah vas-y, tu le... Attends. Non. Du coup, oh l'Enderman, tu te pars de chez moi là, ça rigole pas, enfin, c'est pas chez moi, mais c'est que ici on n'aime pas les Enderman. Est-ce qu'elle est butin cette épée? Ah, j'ai plus le son de jeu. Je sais pas pourquoi, attendez, on va. Peut-être je fais pas les textures. Non, mais des End City. Ouais, ça m'arrive des fois de faire ça face bug. J'ai changé pas de texture en fait. Mais bon, là ça va faire un peu chelou le monde. Et là il va y avoir le son, vous allez voir. Si ça a bien marché. Voilà, bon là ça fait un peu chelou. Chelou. Donc on fait pas de ressources et on revient hop, en normal. Allez! C'est bon. Ah, et c'est encore bugué. Ouh là là. Ouh là là. Je sais pas ce qui se passe là. Par contre, je crois que je vais crash. Je vais crash. Que ça tourne toujours, moi. Je sais même pas si je vous parle là. Je sais même pas si ça tourne toujours. Parce que je peux accéder à rien. Oui, ça a l'air de tourner toujours. Mais ça a du mal, hein. On a 0 FPS. Je crois pas que ça soit génial. Du coup, on va forcément avoir une ellipse là parce que... oufissime. On peut voir mes moutons. On peut voir les loups de Katio. Il en a énormément. C'est même pour mon téléphone qui vibre. Oh mon dieu, qu'est-ce qui se passe? Allez! Bon, du coup, je vous fais une ellipse. Voilà, je peux reprendre. Ah! Ça a bougé derrière, j'ai vu que ça a bougé le fond. Ah, c'est bon. What? Allez, terminé, qu'est-ce qui se passe là? Je peux pas refaire parler de ressources. Allez. Non, bon, il veut pas. On va faire ce qu'on va faire, ça, je vais couper le jeu, je vais relancer. Ah, tout de suite. Si ça veut bien, je sais pas si ça vous a coupé. Oui, vas-y. Vas-y, connecte-moi. Bon, ça, du coup, c'est tout ça pour une histoire de son. J'ai trouvé que j'aurais toujours pas. Ah, c'est bon. Re. J'ai crash. Enfin, du coup, ce qu'on va faire. C'est un peu le bordel chez lui. Tu dégages, toi, déjà. Alors, on m'attaque pas comme ça. C'est un peu le bordel chez lui parce qu'il fait des petits changements, etc. Il a beaucoup, 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 beaucoup de doux. Et c'est toujours. Il a toujours mis mes marqueurs. Bon, on va lui mettre deux petites shulker box, voire trois. Parce que. J'en ai énormément. Elles ne serviront pas toutes. On va prendre une pancarte. Cadeau. Alors après si j'ai envie de faire des pranks mais après voilà faut manger dans le délire mais pour l'instant on n'est pas trop dans le délire mais faut voir ça pourrait être marrant. Alors du coup on va commencer ce petit world tour parce que c'est vrai qu'on a toujours pas commencé par la maison de Katio qui sait qu'il commence à faire des grosses marches en fait ça vous l'avez vu hein. Je vais vous montrer un peu plus en détail. Il commence à faire en fait une grande allée pour rentrer, c'est plutôt beau. Je peux pas vous le cacher que c'est vraiment beau. Il faut en tout cas c'est badass, ça c'est cool. Du coup tu rentres pour mettre des blocs de quartz et tout. Ah j'ai pas vu ça d'ailleurs. Ok. Bon ça, alors ça a brûlé. Alors je sais pas si je crois que j'étais en train de tourner mais ça s'est effacé. Mais en tout cas sa maison, ça tape, la foudre a tapé dessus. Et du coup ça a un peu brûlé. Alors qu'est-ce qu'il a un peu modifié des trucs. Enfin il a un peu changé mais ces coffres là.
Et là, il a quoi? Ah ouais, il s'est fait un délire là. Il s'est fait un truc de ouf là. Mon Dieu, le temps qu'il a dû passer là-dessus. Ok, bon bah c'est plutôt sympa. Il taffe beaucoup dessus d'ailleurs, il va pas tarder à se connecter, je pense. À chaque fois je veux zoomer, mais je peux pas. Du coup, on va utiliser notre petite Underpearl pour aller là-bas. Ah, Osef. Il peut y avoir une petite Undermite là, non? Alors aussi j'ai pensé à un truc. Vous savez, en 1.10, il y a eu une nouveauté, c'est les fossiles que vous pouvez trouver sous terre, mais le truc c'est que j'ai jamais trouvé ça en fait moi. Est-ce que la peluche a fait une base? Je lui demande parce qu'il était co hier soir avec la peluche du coup. Bon, je sais pas pourquoi je vais là, il me semblait que j'avais vu des belles fleurs, mais je vais les voir encore une fois, il va pas me répondre. Ah non, c'est bon. Ok, moi bon, a priori non, il sait pas, je sais pas, mais je le vois pas, donc c'est pas grave. De toute façon, c'est possible que je vous la montre pas dans un voyage tour, parce que du coup au niveau de la maison de podcast, vous avez vu, il y a des petits blocs d'or, il a mis des petits blocs d'or au-dessus, il a pu se permettre, moi aussi je pourrais me le permettre parce que avec l'usine à or, on a vraiment masse or maintenant. Ça, je pense que je vous l'avais montré. Je sais plus, mais je crois. C'est en fait c'est un MacBook et en fait on échange un livre contre un diamant en fait. C'est plutôt sympa. Là, j'ai mis un petit peu la tête d'Abbé Pierre parce que c'est lui qui avait fait le truc. Voilà. Bon, si je vous l'ai déjà montré, c'est pas très grave. On va profiter. Alors oui. Alors là, j'ai fait un petit truc parce que je sais pas si vous avez remarqué, on a détruit la maison de Fablet. Qu'est-ce qu'il fait? On a détruit la maison de Fablet parce que elle gênait un petit peu. D'accord. Ah mais c'est un cartographeur. Ah génial. C'est un cartographeur. C'est un cartographeur. Du coup on va le voir se transformer normalement. On va interrompre. Donc oui, j'étais en train de dire que on a détruit la maison de Fablay. Tout simplement parce que elle était pas super belle. Je trouvais pas qu'elle était bien reçue, c'est moi qui l'avais fait et tout. Et je l'aimais pas du tout, du coup on l'a détruit et on s'est basé, on l'avait fait dans sous les petites trappes là-bas. Du coup, le villageois va pas tarder à se transformer. Allez villageois, tu peux le faire. Prendre deux ans à se changer, c'est toujours long. On avait fait pareil pour le mien il y a longtemps là. Du coup, je sais pas si t'as toujours projet de faire une ferme à villageois ici, je ne sais pas. Je sais pas, je ne sais plus. Du coup, ah oui, il faut que je vous montre aussi ce que j'ai fait en haut. Attends, tu as vu les... Ah! Poubelle. Cool, bah du coup, c'est ce qu'il me fallait, les diamants. Ce qu'il me fallait, les diamants, c'est cool, je vais pouvoir réparer mon hache. Des petites poubelles en fait, genre recyclable au cas où, par exemple, vous avez une poubelle, mais sans lave en fait. Si par exemple, si vous jetez un objet en vous trempant, en fait, on m'appelle et en fait, il y a des coffres qui sont reliés. J'ai fait un peu sur une sorte de décharge en dessous. Et du coup, par exemple, vous lancez une épée que vous voulez pas lancer, je peux vous la récupérer. Et du coup, ça permet de voir ce que les gens jettent. Et du coup, après, pouvoir les redistribuer aux gens qui en ont besoin. Par exemple, des blocs, c'est vrai que moi, des blocs, j'ai toujours besoin et à chaque fois, on les jette. Et du coup, bah voilà, c'est plutôt cool. De faire les poubelles en fait, c'est ça ce que je suis en train de dire depuis tout à l'heure. Allez villageois là, s'il te plaît, bouge-toi. Tu lui as donné une pomme d'or parce que là il tremble pas. Il tremble. Ah ouais, il tremble un peu. Tu trembles mon coco. Qu'est-ce qu'il y a, t'es malade? Maintenant t'es tout vert, donc t'es un petit peu malade, c'est normal. Du coup, regardez-moi ça. C'est la danse. Là, c'est la danse des chevals. Ouais. Des chevals zombies, je sais pas quoi.
Allez, vas-y, transforme-toi, je sais que tu peux le faire. Tu peux le faire, tu peux le faire. Du coup, maintenant, on aura un cartographeur qui va nous montrer du coup où on trouvera du coup le petit temple. Ah, le petit temple océan. Il est beau. Le petit temple océan et pourquoi je fais pas. What? Le petit temple océan et le petit temple woodland. Pas mal. Pourquoi je ne peux pas lui parler? What? Non! Ok. Et c'est quand que... C'est quand qu'il voudra me passer un... passer des cartes là? C'est drôle, en fait, je me suis fait une fausse idée, je sais pas. Moi, je vais vous continuer à vous montrer le reste. Ah, je l'ai pas montré aussi ça là-bas. Je suis passé à côté, mais je vous l'ai pas montré. Du coup, là, c'est la petite base du coup que j'ai fait pour Fablay, au cas où il se reconnecterait un jour. Mais si tu vois des PNJ de spawn, t'es capturé. Ok, mais on peut pas. Ouais, donc là j'ai fait une petite base. Bon, son chien, je suis désolé, je l'ai tué parce que il voulait pas, il commençait à m'attaquer et tout. Il voulait pas rentrer, donc désolé si tu regardes ton chien, j'ai tué, je suis désolé. Je t'en passerai un si tu veux. Parce que il résistait quoi. Du coup, je vais vous montrer un petit peu l'usine à slime Café Blood Ghost. Alors, je crois que je vous l'ai déjà montré. Et merde. Oui, je crois que je vous l'ai déjà montré, mais elle n'était pas finie. Du coup, là, vous pourrez la voir dans sa totalité. On va peut-être pouvoir récupérer des slime balls aussi, c'est un bon moyen. Ah, regarde, il y a un petit slime. Tu vas mourir, petit slime. Meurs. What? Meurs. Hop. Et vous allez voir, ça se remplit à une vitesse suivante. Ah ok. Ok bon, tant pis. Donc ouais, il y en a pas mal, hein, franchement, ça va assez vite. Il faut juste qu'on se mette à côté, hein, mais après il y a plein de gens qui les récupèrent. Parce qu'en fait, les golems attirent les slimes, je ne savais pas ça du tout. Du coup, les slimes, comme des débiles, ils vont faire je te veux mourir, tu vois. Ils vont mourir et ça va créer des droppers qui vont aller dans le coffre. C'est très simple, mais en fait je ne savais pas du tout que les slimes étaient attirés par les golems. D'ailleurs je vois pas pourquoi, mais pourquoi pas. C'est sûr que ça rajoute des petits trucs au jeu, hein. C'est pas trop mal. Du coup maintenant je vais vous montrer la poubelle. Je vais prendre un petit peu de poulet, puis après je pense que ça va être bon. Il n'y a pas grand chose. Le désert et la jungle, je voulais pas montrer, mais je crois pas. Mais je vous la montrerai quand Katu aura commencé sa pyramide. Parce qu'il veut faire une pyramide. Hop, on va monter. Donc là, il y a une usine à pêche. C'est ça le truc, je crois qu'on l'avait vu ensemble. Je sais plus ce que ça décrit, je ne sais rien. Du coup, là, les gars, il va me faire plein de poulets. Alors, hop, 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 hop. Voilà, je suis désolée, mais... Il me faut du poulet. D'ailleurs, on va un peu ranger ce qu'on a sur nous. Hop. Voilà. Pourquoi c'est chiant? Pourquoi je me change de main? Nourriture, c'est bon. Minerai, on va ranger. Hop. Ok. Pourquoi pas? Je crois que mon œuf a disparu. Voilà. Ensuite. Ah, mais c'est pas possible! Arrêtez! Où est le jeu? Ah, j'ai eu peur. Et puis, il reste l'autre. Ça, ça. Et donc vous voyez, on ne peut pas ranger les shaker box dans le coffre. Ce n'est pas possible. Il m'en reste 4. What? Ah non, il est là l'autre. Je suis bête. Il m'en reste 4 du coup. Que je donnerai à la peluche et une autre
AB Pierre si je connecte. Ou le 390. C'est vrai que le 390, je joue très peu encore aussi. Hein. Bon, c'est pas très grave. On a notre petite communauté, je trouve ça vachement cool. Ah oui, la poubelle. J'allais oublier la petite poubelle. Bon, c'est rien de super intéressant. Bon, on va essayer avec cette ficelle. Je vais vous montrer. Vous avez une ficelle. D'accord? Petite ficelle. Vous en voulez pas de la ficelle. Parce que vous l'aimez pas, vous la trouvez pas belle. Et vous dites. Oh, c'est quoi ce truc? J'ai jamais vu. Il commence à avoir un truc là. Bref, vous dites, j'en veux pas de ce truc, c'est moche, tu vois. Donc, tu dis, on va aller à la poubelle, à la décharge, à la tout comme vous voulez. C'est ça, c'est ce petit bâtiment un petit peu caché, mais voilà. Poubelle publique, lancez votre objet dans le trou. Là, vous dites, oh, un trou, je vais lancer l'objet. Hop, il disparaît. Comme par magie. Ensuite, ce que vous faites, bon là, c'est pas super, c'est pas grave. C'est que vous creusez ici, tout bêtement. Vous allez atterrir en dessous. Je veux un petit truc un peu moche, voilà. Et en fait, voilà. Donc là, vous avez des petits trucs. Bon, j'ai pas encore prévenu les gens que ça existait. C'est pour ça que. Enfin, c'est quand même. C'est pour ça qu'il n'y a pas grand chose. Mais voilà, un bout de gosse le sait. C'est plutôt sympathique. Voilà. Du coup, je pense qu'on va s'arrêter là. J'aimerais bien me remettre au pixel art aussi. C'est vrai que ça fait plus longtemps que je n'ai pas fait. Oula. Très bizarre. Du coup, on n'aura pas trouvé de nouveau. Ouh, il y a un truc là, il y a un truc. On n'aura pas trouvé de nouveau colorant. On va finir par en trouver. Qu'est-ce que c'est? Futur maison de la peluche. Ah bah voilà. Oh putain. Mais qu'il y a tout ça. Voilà, ça, il a déjà commencé à faire son truc. Le poulet, par contre, avec tes œufs, j'en ai marre. Tu arrêtes. Et ouais, donc il n'y a pas. Ah, ça aussi, ça a changé. J'ai pas vu les petites murailles. J'ai pas trouvé d'autres colorants. Mais bon, c'est pas grave. Du coup, les amis, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu. Et on se retrouve très 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 bientôt. Alors, je sais pas quand sort cet épisode, mais en tout cas, peut-être sûrement dans 2 jours. Ça doit être 2 jours ou 3 jours. Du coup, eh bien, bye bye. Ok. Qu'est-ce qu'il fait? Il est où le ghost? Où es-tu? Je t'entends, mais je ne sais pas où tu es. Il doit être en dessous, je sais pas. Et lui, donc, il cherche toujours rien. Non, je veux pas. Ouais, je veux pas échanger. Du coup, je me mets avec lui. Hop. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, bye bye tout le monde.